samedi dernier. Voyons un peu ce qu'est ce pacte avec M. Stéphane Boulac, professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour, M. Boulac. Oui, bonjour, madame. En gros, que dit ce pacte-là? Il s'agit d'un instrument, vous l'avez souligné, non contraignant, puis on reviendra sur néanmoins l'impact que ça peut avoir en droit interne canadien, mais essentiellement, on couche par écrit les bonnes pratiques. En ce qui concerne la migration internationale, il y a quelques 23 objectifs qui sont énoncés, mm-hmm. allant du traitement des migrants reçus dans une juridiction, on condamne la traite de personnes, on parle d'avoir accès aux services de base, etc. Et bon, aussi l'importance de respecter les droits de la personne dans tout ça. Et on explicite avec des éléments spécifiques sous chacun de ces 23 objectifs. Alors, c'est essentiellement d'expliciter les bonnes pratiques mm-hmm. en ce qui concerne la coopération touchant la migration internationale. Et pourquoi il a été créé ce pacte pour les migrations? Bon, sans rentrer dans la genèse ou les détails, c'est ça a un lien direct avec la crise migratoire de 2015, en Europe surtout. Et ça a conscientisé, évidemment, la communauté internationale. On s'est dit qu'on avait besoin de mieux coordonner le tout, le traitement des flux migratoires. Ça a mené en 2016 à la déclaration de New York, qui essentiellement avait mobilisé les intervenants de la communauté internationale. Et on s'est dit, il faut coucher par écrit un texte sur lequel on s'est entendu en juillet dernier, en juillet 2018. Oui. Et là, on vient de confirmer finalement l'adhésion, l'approbation du texte final à Marrakech. Oui. Mais c'est ça, en juillet dernier, il a été comme approuvé par des pays comme l'Australie, la Pologne, l'Autriche, mais aujourd'hui, ils ne le signent pas. Pourquoi? Ah, écoutez, je vais le contredire, mais c'est qu'il y avait des représentants de ces juridictions qui ont négocié le texte et il y avait comme une entente de principe que quelques 192, parce que les États-Unis, dès le début, y ont débarqué. Mm-hmm. Me prêter l'expression, ils étaient là au début, puis juste pour claquer la porte, pour dire que ça ne les intéressait pas, de même si c'est un instrument non contraignant, de faire partie de ce régime de droit mou, si je puis dire. Ce n'est pas du droit dur comme un traité international, mais plutôt juste une genre de déclaration, un agenda, un pacte, peu importe la terminologie, là, mais c'est surtout la nature de l'instrument qui est non contraignant, on le disait tantôt. Alors, l'Australie, Israël, l'Autriche, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, toutes ces juridictions-là, ces pays, ces États de la communauté internationale ont débarqué depuis, ont décidé, même si au départ ils étaient d'accord avec l'idée que finalement, en bout de ligne, ils n'iraient pas de l'avant pour adhérer à un tel instrument non juridiquement obligatoire. Ouais. Mais pourquoi justement il y a de l'opposition puisque ce n'est pas contraignant? C'est là que justement on va arriver, je l'annonçais tantôt. C'est juste, puis on le souligne, hein, que c'est pas un traité. Ça n'impose pas des obligations internationales aux États qui adhèrent à ce régime de droit mou, si je puis dire, non contraignant. Mais ça, néanmoins, peut avoir un impact. Et les conservateurs à Ottawa l'ont souligné à grands traits à la fin de la semaine dernière, puis vraisemblablement encore aujourd'hui, c'est que dans l'interprétation et l'application du droit interne, c'est le cas au Canada, mais également dans plein de juridictions à travers le monde. Les tribunaux peuvent s'inspirer de la réalité juridique internationale de droit dur, comme un traité, comme une coutume internationale, mais également de droit mou, comme la présente déclaration, le pacte mondial sur l'immigration, pour aider, selon le jargon, à interpréter et appliquer le droit interne. Ça, concrètement, madame, ça veut dire quoi? Prenons notre principale loi au pays, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, et sa réglementation. Si se pose une question d'interprétation, mais le tribunal canadien pourra se référer à ce document international, et ce, même s'il est non contraignant, pour identifier le contenu normatif du régime canadien. Ouais. Est-ce que le Canada a eu raison de signer ce document et pourquoi? Ben, écoutez, je suis pas ici, je suis bien conscient que mon chapeau, c'est d'internationaliste. Là, je suis pas un politicologue. Mm-hmm. L'opportunité politique mm-hmm. ou non de, je me prononcerai pas, mais c'est dicté par l'idéologie des partis, des intervenants et tout. Mais, parce que dire que le Canada a raison, ça serait dire peut-être à contrario que Israël ou
les États-Unis ou l'Autriche ont tort d'avoir claqué la porte. Et ça dépend de leur, évidemment, position par rapport à ces questions de migration internationale. On a annoncé dès le début que, et depuis le 2015, depuis l'élection du nouveau gouvernement à Ottawa, des libéraux de Justin Trudeau, qu'on était très ouverts. Hein. Souvenons-nous des fameux tweets gazouillis de M. Justin Trudeau qui lançait une invitation ouverte pour venir se réfugier au Canada suite au changement de politique du gouvernement de l'administration Trump aux États-Unis. Pardon. Alors, ça va dans le même sens. C'était l'ajout politique la semaine dernière, hein? Mais il n'y avait aucun doute, à mon humble avis, là, que c'était pour être confirmé aujourd'hui la participation du Canada dans ce régime non contraignant. Ouais. Eh bien, M. Beaulac, Stéphane Beaulac, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal pour le BABA de ce pacte pour les migrations, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Au revoir. Au revoir.